Aujourd'hui, on est sur un temps qu'on a voulu à la fois anniversaire pour les 20 ans d'Unicité Hauts-de-France et un temps aussi d'échange et de réflexion avec des jeunes engagés et puis tous nos partenaires qui sont des collectivités. Et puis, on a aussi quelques entreprises qui sont venues aussi à notre rencontre. Ce qu'on veut montrer, c'est la force des jeunes et la capacité qu'on a à se réunir pour agir ensemble. Et donc ça, c'est la force d'Unicité et c'est la force aussi des jeunes qui sont engagés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on vit un moment très fort. Ça fait plaisir de se retrouver et ça fait plaisir de voir dans cette salle cette diversité, les t-shirts orange des volontaires, les t-shirts noirs des salariés, mais aussi tous les partenaires qui nous accompagnent, les gens du conseil d'administration qui nous soutiennent. On repart, je pense, plus convaincus que jamais que ce qu'on fait a un sens. On ressort avec beaucoup d'énergie, c'est toujours très très sympa de partager, de voir un petit peu ce qui se passe dans la région et surtout sur ce type d'association dont on parle beaucoup mais qui agit énormément. Et moi je ressors avec énormément de plaisir à participer à ce genre de manifestation et de voir qu'il y a une vraie dynamique, une vraie volonté d'aller de l'avant avec tous ces gens. On a eu beaucoup de témoignages d'anciens volontaires qui nous disent que maintenant ils arrivent à prendre la parole en public, qu'ils ont réussi à savoir ce qu'ils voulaient faire plus tard, à imaginer des projets, à les concrétiser surtout. C'est très rassurant en fait de me retrouver ici donc avec beaucoup de personnes. Du coup, je me rends compte que on cherche tous un peu notre voie. Je ne suis pas toute seule dans cette situation à poser plein de questions et à savoir ce que je vais faire plus tard. Ça permet de visualiser l'importance de toutes les personnes qui sont aidées, qui pourront être aidées et tous les projets menés. De donner envie aux jeunes d'aller plus loin dans leur engagement, de leur montrer aussi que y a d'autres jeunes de leur âge qui ont pris des engagements déjà, à la fois international mais aussi au local. Voilà, et puis de montrer que les adultes aussi s'engagent et ont pris des responsabilités. Si c'était à faire le service civique, je le ferais.